D'abord, nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné cette journée, la journée bénie. D'abord, toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. C'est lui qui a fait descendre les saints Corans sur l'ultime prophète Mohammed, le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, afin que cela puisse servir de lumière éclatante pour illuminer les pas de ses serviteurs. Je ne manque pas également d'implorer la paix et la bénédiction d'Allah sur l'ultime prophète Mohammed. Celui-là qui n'a pas manqué de mentionner dans son hadith authentifié que « Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ». Tu as senti Amin, un notre frère. Et aujourd'hui, il nous honore par cet enregistrement. Avant de découvrir qui il est, vous allez nous permettre de vous présenter le programme qui nous a réunis ici ce matin. Après l'installation des invités qui devrait s'effectuer entre 9h et 9h30, viendra, Inch'Allah, la prière d'ouverture qui sera dite par Oustaz l'honorable Agoro. Alhamdulillah, الذي اختار من عباده أقواما شرفهم بهز كتابه وأوجب لهم تجويده والعمل بما فيه وأجزل لهم جزيل الأجر وفضلهم على من سواه أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتخلص بها من النظرات أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا القرآن وحافظوا عليه وعمل بما فيه من أحكام وتخلقوا بما فيه من آداب رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء ويقلله بالنجاح ويتقبل منا هذا الأمر الجليل جعلنا من عباده الصالحين كوراندو يدازا قدو دبطندو يني وعدا التوازي إدي يومان دا يومان نبرا دواسي سبادوك إدي القرآن يجير منغوكنا دازي نبتا ino arada ko do tugu daru do diu al sawi ni qur'an de ko wa udun da basi wa bisi badaras ki basida bisi don fosna badu de da ta min da gado to so ino arada bi ko do ko do na da sai da wata ki tasida bi da bi da al hirwa na Solo Michele Dubobu Kassante Amini Sokurando et Assez Albarka. Son motimara qui fait de dina, Wendewana, Umbabaz et Halit Maradina, Sokurando et Kabab de Alihir. Dado de Umbadagone, c'est le Sénat, Dilla Yi, Sokurando,
yuzida Quran da iranda de daro wende do de daro na so ko rando esta se da albaka malwa ma de dugure ku bonda mala do na bukata rezul gida to sa da albaka ko mo be ke de daro den de ke sa bu de dana so ka go be de la da dana da de ku bona ga ci dana da de treza inu musuma ba sa tu ku ga do na bukata ga da ga go se e ze yiri so ko rando e ferda al hiri so fa al hiri so tu zida ide wezu al nasrua mo ban to ke na qur'ani vuna dauna so ko rando e ketwa so ko qur'ani ke usna walan so ke yele bana yer yer so yele wo qur'an wa masna wana be bese bete tala so ne de ko dum subhanakallahumma bihamdik شهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تكبير Monsieur le Président de l'Union musulmane du Togo, Honorable Imam Agoro, Excellences, Messieurs les représentants du corps diplomatique et des institutions religieuses nationales comme internationales, Honorables Imams, Messieurs les membres du bureau de l'UMT, Monsieur le Président de l'ACMT, l'AMIR, honorables invités, mesdames et messieurs, mon cher ami Aminou, j'ai l'honneur, au nom du comité de gestion de la Maison du Hadj et de son président, le général Atiat Dipina, de vous souhaiter la bienvenue ce matin dans cette belle maison, notre maison à tous, la maison du Hadj. Et à cette cérémonie, nous vous assurons du soutien que chacun, de par sa capacité, mobilisera pour la réussite de cette première au Togo. Et c'est pour ça, pour terminer, je vous invite solennellement
à apporter votre soutien sans faille à la réussite de cette entreprise qui n'est pas facile et qui est pourtant très nécessaire et que nous devons donc encourager pour que d'autres puissent suivre cet exemple. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le très miséricordieux, louange à lui, Mère des mondes qui s'est adressé aux hommes en cette terre, une lumière et un livre explicite, nous sommes certes venus d'Allah. Rendons grâce donc au Tout-Puissant pour nous avoir permis de nous retrouver dans cette majestueuse salle de la maison d'Hadj. Destiné prioritairement à l'accueil au départ et à l'arrivée des pèlerins au lieu saint d'Arabie Saoudite, mais aussi destiné à mener toute activité pieuse islamique comme celle pour laquelle vous êtes présent ici. Le lien le plus solide entre Dieu et ses serviteurs que nous sommes. Le jeûne et le Coran intercéderont pour l'homme le jour de la résurrection, vous le savez bien. Le Coran, en outre, est inséparable des pratiques des cinq piliers dogmatiques de la religion islamique. Dès lors, il doit être lu, récité, mémorisé, étudié et médité. Il est recommandé de lire le Coran, tout le Coran d'ailleurs, en trois jours, en une semaine, en un mois, et si on ne peut pas, alors pendant un an. On doit le lire avec humilité, tranquillité et respect, et le lire d'une voix agréable et éclore toujours sa lecture par une invocation. La spécificité du Coran, ça c'est le plus important, est qu'il est le seul livre au monde à être mémorisé. Même toutes les constitutions du monde ne sont jamais mémorisées, la Bible n'est jamais mémorisée. Seul le Coran, 604 pages, d'aucun dit 600 pages, je voudrais préciser que dans l'édition arabe, c'est 604 pages. Ces 604 pages sont mémorisées entièrement par des gens qui ont senti Amin. Le premier des gens dans notre pays parler d'un lancement officiel ou dédicacé de la récitation du Saint-Coran ou de la mémorisation du Saint-Coran en CD. Beaucoup de gens se sont demandé exactement qu'est-ce que nous voulons faire. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de vous présenter ce qui nous unit ce matin, qui sera en deux phases. La première des phases, c'est comment Oustaz Tchassanti a pu faire ce travail noble, qui honore seulement Oustaz Tchassanti, mais qui honore notre pays. Pourquoi je dis que ça honore notre pays? Beaucoup de gens, ou bien parmi vous, vous savez que beaucoup de lecteurs du Saint-Coran sont partout dans le monde qui ont lu, enregistré tous les Saint-Coran, dont chacun chez lui écoute la lecture de tel basit, etc., que vous connaissez selon les voix. Mais je vous dirai que ce que Oustaz Tchassanti vient de faire est un exemple dans la sous-région. À ma connaissance, beaucoup ont déjà essayé dans la sous-région, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a lu tous les cinq Coran en entier, en belle lecture. Alors, si tel est le cas, ça rentre dans un événement sur le plan international. Nous devons vulgariser ça comme le président vient de lancer officiellement cette lecture. Mais avant de lancer, il faut que les gens puissent savoir que c'est une lecture accréditée. C'est une lecture que le
Saoudien, quand il va entendre, il ne va pas se poser la question de savoir s'il n'y a pas des gens qui ont écouté ça avant de vulgariser cette lecture. Donc, désormais, à partir de ce jour que le président a lancé ça officiellement, ça veut dire que la charité bien ordonnée commence par soi. Nous-mêmes, qui sommes Togolais, dont c'est notre fils, dont c'est notre jeune, c'est notre frère qui a fait ce travail, nous devons tout faire pour l'aider à bien vulgariser ça comme nous voulons. C'est pour la première fois que le Togo enregistre de tels événements. Donc c'est ça qui nous a motivés. J'ai appris qu'on veut enregistrer le Coran à la voix d'un Togolais depuis. Même en tant que le directeur de la radio Safat, nous avons souhaité avoir quelque chose comme ça, mais rien n'a été. Donc si j'ai appris qu'il y a un Togolais de nationalité togolaise qui a pu enregistrer le Coran, qui a approuvé dans des pays lointains comme la Libye, une grande chose. Qui a lancé officiellement, qui va acheter le premier CD et tout le monde entendra à quel prix. Ça ne veut pas dire que c'est le prix que le président va acheter, que quelqu'un comme des responsables parmi vous vont l'acheter. Mais nous tous ici présents, nous allons l'acheter. Et cet achat ne veut pas dire qu'on est venu avec de l'argent tout de suite, non. Nous allons prendre les noms et de tous ceux qui vont acheter après la lecture de Oustaz que vous allez entendre tout à l'heure. Donc le lancement officiel consistera à faire quoi? Le président de l'Union musulmane sera invité tout à l'heure, après la lecture, de dire à combien il va acheter ce CD. Je tiens à vous rappeler que pour réaliser ce CD, Oustaz Kassanti a investi de sa propre poche et actuellement il n'a pas encore remboursé les prix. Mais comme nous voulons que cela soit réalisé et qu'il a fait ce travail, pas pour lui-même, mais pour nous tous, nous devons contribuer donc à payer les 2 millions utilisés pour faire sortir ce CD. Et ce n'est pas quelqu'un du dehors, c'est nous tous ici présents, selon nos moyens. Dieu connaît nos poches. Je vais acheter moi-même, mais sachez que c'est un retraité. Si moi j'achète à un montant, vous n'allez pas entendre que Tidiane Sakaria va acheter au même montant. Ou bien mon fils Barana Taufik achètera au même montant que moi. Oustaz Sala, c'est un oustaz, il va acheter aussi. Mais nous tous ici présents, jusqu'au dernier, tout le monde va acheter. Mais nous allons appeler quand même des titres. Pas seulement que c'est eux seuls qui peuvent acheter plus que nous autres, nous tous, non. Il peut y avoir parmi nous qui vont même acheter plus que ceux dont on va appeler avec l'aide du président à nous acheter ça pour pouvoir avoir le prix et pouvoir être confiant que nous ne sommes pas endettés pour la cause de Dieu. Concours de Coran de Kalena.
Il a ensuite appelé le colonel Djibril pour lui dire que ce travail que j'ai confié à Oustad Salah, tu dois le suivre sur le plan de santé et tu vas prescrire, tu m'envoies la facture pour que ce travail soit réussi. Ooh, love.
Qui a appris le Coran et l'a enseigné. C'est dans cette optique-là que depuis un certain temps, Allah le Tout-Puissant nous a fait don et nous a fait grâce de la mémorisation du Saint-Coran. Et nous avons voulu, Inch'Allah, l'éterniser et le mettre à profit de tous les musulmans du monde entier et en particulier les musulmans de notre cher pays, le Togo. Aujourd'hui, nous sommes donc à la cérémonie du lancement officiel. Mais je ne peux que être comblé de joie. C'est pourquoi je suis dépassé même par mes passions. Vous l'avez remarqué. Lorsqu'on m'a demandé de faire la prestation, je n'ai pas pu maîtriser mes émotions car c'est la joie qui m'a débordé. Du Coran, qu'Allah le Tout-Puissant les récompense. Donc, le lancement va commencer. Takbir. أتقولون على الله ما لا تعلمون ce CD aujourd'hui, il nous dira publiquement à combien il va l'acheter en son nom ou au nom de l'État musulman. Ensuite, suivra le général Kidikina, c'est une personne morale, mais Dieu aussi dira qu'il va acheter sa bien, et l'imam Abu Zakaria. Après, les autres suivants. Donc, takbir pour le président de l'État musulman. Vous savez, il est le président de l'Union musulmane, c'est un retraité. Ça ne veut pas dire que c'est au même prix que des gens comme des pharmaciens, des autres vont nous acheter ça, Inch'Allah. Takbir. Allah. À présent, nous allons inviter le général Kidikina, le président a acheté ça à son nom, parce que moi-même, j'achète ça, Inch'Allah, à 50 000. Takbir pour moi-même. Donc, que le président a acheté ça. Et le président n'a qu'à ajouter au nom de l'Union musulmane. C'est ce qui est capable de président. Oui, je peux l'acheter. Donc, le président a ajouté au nom de l'Union musulmane et à son nom. Donc, le général du tribunal. Takbir pour lui. Allah.
qu'il est lui aussi, il a 500 CD à 50 000. Takbir. Il avait dit tantôt, c'est des personnes normales. Il a 700 au nom de la grande mosquée, Yami. Le Dieu de mon monde. 50 000. Takbir. Allah. Souma Takbir. Allah. Merci, merci, Oustad Adoni. Donc, on a les vrais invités pour nous acheter ça. On a payé ça au prix de 50 000. Ah, tant pis, tant pis. Je fais ça pour moi-même. Au nom de l'ONG AOIB, nous payons pour ça. Allah Akbar. Allah Akbar. Et la chaîne à son nom personnel, c'est qualifié. Et au nom de l'organisation AOIB, la chaîne ça à 100 000. Au nom de l'ONG, 200 000 francs. Allah Akbar. Allah Akbar. Faites un grand acclim pour lui. Allah Akbar. Merci, merci, qu'Allah vous me comprenne. Au nom de la mort, Allah Akbar. En mon nom personnel, je l'achète à 20 000 et au nom de l'association des cadres musulmans de l'eau à 50 000. Takbir. Le travail fait doit être encouragé. Même le. La valeur que nous avons achetée, ça n'atteint rien. Ce n'est rien. Le vis-à-vis, ce qui est dedans et le travail qu'on a fait. Donc, on doit faire plus que ça. On doit payer plus que ça. Ce n'est pas payer le courant, mais encourager ceux qui sont devant cet événement. Avec 100 000 francs. Takbir, mon entreprise et moi-même, ensemble, on va soulager la trésorerie de notre frère avec une contribution de 250 000. Takbir. Et à mon nom, Takbir. 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 Merci. Takbir, elle achète à son nom personnel à 50 000 francs. Et elle fait une contribution à M. Chassati à 500 000 francs. Takbir! Takbir! Quelle est-ce que ça? J'achète à 20 000 francs. Takbir! Nous, des âmes musulmanes du Togo, j'achète ça à 50 000 francs. Takbir! Ça à 50 000. Takbir! Imam Moshe Bayor et le Moshe Caméléon, il achète le CD en 20 000 francs. Takbir! Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier dans un premier temps tous mes grands alphas, ceux-là qui m'ont éduqué dès le bas âge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parmi eux, il y en a qui sont déjà décédés, qu'Allah le Tout-Puissant leur accorde le paradis. Parmi eux, il y en a qui sont toujours en vie et qu'Allah leur accorde une longévité. Je ne manque pas également d'adresser mes sincères remerciements à mon technicien, M. Adnan Katakwaou, qui, à travers son expertise, qui, à travers ses expériences diverses, a pu faire ce mixage pour sortir cet album d'une qualité exceptionnelle. Vraiment, je manque de mots pour lui. Seulement, je prie et je demande humblement à Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir le récompenser. Je n'oublie pas aussi de remercier particulièrement mon grand oussage, Cheikh Salah, qui a accepté à bras ouverts suivre cette activité du début jusqu'à la fin. C'est pour moi un agréable plaisir de savoir que nous avons nos frères qui ont fait un travail immense pour mémoriser le Coran. Ils n'ont pas fait que mémoriser, mais ils ont pensé à ce que cela soit préservé et diffusé à tout le monde. C'est le travail que notre prophète
sur la scène nationale, il a sous réserve des imams, c'est le message, le prophète sur la scène nationale, le message, et il a demandé à tous les autres de diffuser partout au monde. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, ici, je suis en train de parler en tant que le président du comité qui gestionne la maison de Haï. Mais je ne suis pas seul là, j'ai cette maison de Haï. J'ai mon frère, le président de l'Union des imams et les imams qui ne sont pas là. Je suis très peiné de constater que nous n'avons pas célébré l'événement à sa disparition. Je suis obligé de vous le dire. Nous n'avons pas célébré à sa disparition parce que le Coran mérite plus que ça. Nous n'avons pas mis tout ce qu'il faut mettre pour soutenir ce grand événement. Nous n'avons rien de plus cher que le Coran sur cette terre. Le prophète étant parti, notre prophète, je pense que ce qu'ils nous ont laissé, c'est le Coran. Nous devons tout faire pour la couronne de tous les soins. Monsieur le président de l'Union de l'Union, cher frère imam Dakarim, imam Salih Karim, imam Salih, avec tout ce que je vois ici présent, je vous demande de vous joindre à moi pour demander à imam Salih que ce que j'ai dit avec lui en public, ce jour il a sorti, ce que j'ai dit en privé avec lui, aujourd'hui il a sorti en public. Et c'est pour ça que vraiment je suis venu, parce que j'attendais. J'attendais cet événement il y a depuis de cela 13 ans. 13 ans, je m'en fais attendre. Je ne vais pas aller plus loin que ce qu'il a dit, mais je vous dis à vous tous de vous tenir à moi pour dire que je suis encore en attente. Je souhaite que Dieu lui donne vie et qu'il puisse garder en vie. Takbir! Zuma Takbir! Nous avons écouté beaucoup de lectures du Coran dans ce pays. Je pense que il m'en soit. Il mérite Inch'Allah, moi je grave ta famille. Inch'Allah, takbir. Il mérite d'avoir quelque chose qui l'a adressé pour notre communauté musulmane. Pour ceux qui viennent dans la maison de Haï ici, ils savent que nous avons un vrai enseignement. Que nous passons à la maison de Haï, ce serait pour nous une fierté, un honneur de garder le souvenir de Maman Soleil, même après lui. Quand il voit le travail de Dieu, quand la face de ses pleurs
Je lui dis, il a dit qu'il avait dit que je suis prêt à le financer. Je lui réitère la même chose. Takbir. Parce que c'est notre temps, c'est notre moment. D'autres personnes vont venir après nous. C'est ceux-là qui sont en train d'arriver. Il a dit que c'est son élève. C'est vrai qu'un élève peut dépasser son maître. Mais nous nous référençons à Marassolé. Il veut accepter qu'un jour, on puisse avoir son courant que nous allons mettre au niveau donc, de nos mosquées. Et partout, on peut l'avoir pour le bien de nous tous. Et pour donner un écran en particulier à notre religion d'Islam. J'insiste parce que vous tous, vous aimez l'écouter. Vous tous, vous savez ce qu'il est. Quand on parle de l'extension du Coran, il est toujours présent. Et nous savons ce que ça fait à nous tous. Aujourd'hui, c'est comme si ils démissionnaient. Ils ne démissionnent pas. Nous sommes là pour l'encourager. Parce que ce que nous craignons, un homme est fait pour un temps. La voix aussi est faite pour un temps. Est-ce qu'il a pu garder sa voix encore pour longtemps? Dieu n'a pas donné à tout le monde ce qu'il a donné. Mais Dieu sait ce qu'il a donné. Il lui appartiendra de faire en sorte que les gens fassent pour lui des références. Nous avons des enfants qui ont des ancêtres, des grands lecteurs d'Arabie Saoudite, tous les ennemis. Pourquoi ils ne vont pas imiter la voix de Salé? Je crois que comme il lui-même a sorti ce que nous avons dit en privé, nous sommes obligés donc de le dire. Vous êtes témoin, Allah est surtout témoin. Inch'Allah, Inch'Allah. Takbir. Quant à vous, je prie, mais vous me demandez pour vous dire merci. Félicitations. Que Dieu le Tout-Puissant vous garde en bonne santé. Vous faites la réalité de votre religion en Islam. Et que cela continue avec nos enfants et tout le monde qui va suivre. La maison du Haï doit être toujours ouverte quand il s'agira du Coran. Vous allez venir voir, vous allez dire pour le Coran, nous ne cherchons rien. On ne cherche que la bénédiction divine. Elle vous sera ouverte. On fera ce qu'on fait pour vous aider. Le chef est là. À vous d'en profiter. Ciao. Par nos bénisses. Amen. Amen. Nos intentions. Amen. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Je remercie toutes ceux qui sont devant cet événement. Cher photographe, c'est bon? C'est bon. Mes remerciements enfin vont également à l'endroit de mes élèves, ceux-là qui m'ont collaboré, qui ont donné des orientations et qui m'ont également donné et prodigué beaucoup de conseils pour que cette activité puisse arriver à vous. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui.